Coucou tout le monde, c'est Zelda, bienvenue sur la chaîne. C'est bientôt Noël et je vous propose de fabriquer ce sapin. C'est parti! Pour faire le sapin, il vous faut un carré. Moi j'ai pris un carré de 20 cm par 20 cm. Que je vais mettre en position losange car je vais faire des plis en diagonale. Une fois qu'on a ça ressemble à un petit bol comme ça là, on retourne le papier. Si je fais ça, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, on va plier à la verticale et à l'horizontale. Alors pourquoi j'ai retourné? Donc je vais faire comme ça. Et maintenant je retourne à nouveau. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on va mettre en position losange, vous allez remarquer que sur les côtés, le pli horizontal, il va aller à l'intérieur. Et nous, on a besoin de ramener ces deux côtés ensemble. Donc là, vous allez voir, vous avez quatre pointes. 1, 2, 3, 4. Donc ces deux-là vont aller ensemble. Et ces deux-là, je n'ai pas grand-chose à faire à part de les ramener. Et ça va faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Et là, j'ai un mini carré. Voilà. Et on appuie bien. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a quatre feuillets. Il y a la pointe et il y a l'ouverture. L'ouverture, vous allez mettre face à vous, comme ça, et la pointe vers le haut. Tout simplement. Moi, j'ai l'ouverture qui est là. Si je prends mon piloir, je peux le mettre à l'intérieur. Alors, on a quatre feuilles. Il faut les multiplier. On va prendre un volet, je vais prendre mon piloir et que je vais mettre dedans. Si vous n'avez pas de piloir, c'est pas grave, vous pouvez utiliser votre doigt ou un stylo, voilà, ou la pointe d'un ciseau, c'est comme vous voulez. Tout ce que vous avez sous la main, vous le prenez pour l'écarter. Pourquoi je fais ça? Je vais tourner la feuille vers vous. Pourquoi je fais ça? Parce que vous voyez cette partie, alors je vais l'ouvrir, on va l'écarter. On va l'écarter et vous voyez cette ligne, et bien quand on va l'appuyer en bas, il faut qu'il s'aligne avec le trait que font ces deux côtés là. Quand on les met ensemble, ça fait comme s'il y a un trait. On va le mettre ici, et une fois qu'il est bien accordé, et bien on va appuyer tout simplement en haut à la pointe. On appuie et ensuite on va plier de chaque côté comme ceci. Voilà. Moi, je vais bien marquer mon pli. Il faut que ça fasse ça. Et ensuite, comme si on fermait un livre, on plie. Donc, on a un volet tout à l'heure. Maintenant, on en a deux. Et on passe à la suivante. C'est-à-dire avec les trois autres volets qui restent, on va faire exactement la même chose comme ici.
Et voilà. Maintenant, tout à l'heure on avait 4, maintenant on en a 8. On a 8 volets. De toute façon, vous allez remarquer, il faut qu'il y ait une face comme ceci et une face comme ça. Si en tournant, vous avez ça, c'est que c'est bon. Ensuite, vous allez séparer la feuille. Si vous avez le compas dans l'œil, comme moi, vous pouvez découper grâce au ciseau directement comme ça. Mais je vous conseille toutefois de mettre dans cette position-là. Comme ça au moins, grâce à ce trait, à ce bord-là, vous allez pouvoir découper le surplus qui dépasse. Et le reste, bien sûr, poubelle. Vous allez obtenir ceci. Avec les serviettes en papier, vous pouvez faire exactement la même chose et poser directement comme ça. Voilà, ça vous fera sur votre assiette comme un petit sapin. Mais nous, on veut que ça ressemble à ceci. Bien sûr, on ne va pas faire ça avec les serviettes de table, on ne va pas découper. Donc on se met en position, 4 feuilles à droite, 4 feuilles à gauche. Et là, vous faites comme si il y a je vais prendre une règle, un tronc. Vous faites comme s'il y a un tronc là. Vous avez le trait central, vous avez le pli central. Vous imaginez qu'il y a un trait de chaque côté du pli central. Ensuite, vous prenez votre ciseau et vous allez découper des bandes. Je vais m'arrêter un petit peu avant le pli central. Comme ceci, mais je vais faire un seul côté. Et voilà. Vous allez me dire, mais Zelda, pourquoi tu as fait seulement un seul côté? Eh ben, c'est normal. Si je fais ça, c'est pour que je fasse exactement la même chose de l'autre côté, effet miroir. C'est-à-dire que mon trait qui est là, eh ben, il va me servir de guide. Donc là, quand je fais ça, ça bloque mon ciseau, donc je sais qu'en face, je vais pouvoir découper. Pareil. Et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas tout de suite enlever, et ce que je vous déconseille, d'enlever toutes les feuillets, je ne vais pas les décoller. Je vais prendre un seul, comme ça les autres ils vont pas m'embêter. Je vais prendre un seul, et vous voyez ici, je vais prendre mon stylo, on ne touche pas à la pointe ici on ne touche pas. On va commencer à la deuxième bande. Donc, vous voyez ce sommet, eh ben, on va le plier vers le bas. C'est-à-dire qu'on va faire un pli en diagonale en faisant une belle pointe. Comme ça. Donc, on va prendre la pointe du haut. On va plier vers le bas. Donc moi je suis à l'envers, donc c'est à l'endroit pour vous. Voilà. C'est comme ça. Et on fait ça avec toutes les bandes jusqu'en bas. Et sur chaque feuillet. Alors si vous n'arrivez pas à faire avec les doigts comme ça, vous pouvez directement utiliser ce qui vous tombe sous la main. Par exemple un équerre, vous mettez comme ça. Vous le mettez en diagonale et vous appuyez dessus. Tout simplement. Après, ça peut être une règle. Hein. Moi, j'ai un équerre qui est là. Donc, j'utilise ça pour pouvoir faire une belle pointe. Et voilà.
et on fait ça avec chaque feuillet. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous pourrez maintenant mettre ce petit sapin sur votre table au soir du réveillon. Vous pouvez même sur les gros sapins comme ceci. Moi, le mien est tout petit, hein, 15 cm par 15 cm. Et là, c'est 20 cm par 20 cm. Vous voyez la différence? Donc, par exemple, ceux des 20 cm, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas moi, cacher un petit chocolat à l'intérieur. Là, ça fait joli. Et puis, vous mettez ça dans l'assiette de votre invité et hop, ça fait un sapin surprise. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Je vous dis à bientôt.